Yo tout le monde, comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien, ici Voxel, nouvelle vidéo assez spéciale, une nouvelle technique pour build très facilement sur Fortnite Battle Royale après la mage 10.20 où ils ont patché le build, donc la vitesse de build est passée de 0,05 à 0,15 secondes, donc c'est assez chiant pour tout le monde, pour build, il y a tout le monde qui se plaint, mais heureusement que je suis là, j'ai trouvé une technique très approprié à des anciens joueurs de Minecraft qui utilisaient quelques-uns des petits bâtards comme moi des autoclics, et en gros ça permet en gros l'autoclic va appuyer plein de fois pendant que vous allez build. C'est vraiment un truc de fou. Je vais vous montrer une petite démo. Là, je lance mon jeu et tout. Après je lancerai l'autoclic. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas. Donc là j'appuie sur le bouton pour activer l'autoclic. Tac. Donc là j'ai ma pioche qui se met tout seul. Et là, regardez, je peux build comme un gros porc. Voilà. Par contre, c'est moins bien pour les édits des murs parce que genre on peut pas trop bien edit, c'est vraiment chiant. Mais soit vous arrêtez et après vous regardez, là c'est normal, là c'est trop nul. Imaginons vous avez votre autoclic et sans faire exprès pouf, là vous appuyez sur votre touche pour arrêter le auto build et vous éditez, vous rappuyez comme ça, voilà. Après normalement ça sera mieux. Ah aïe, voilà. Normalement ça peut être. Voilà, c'est magnifique. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment le faire. Voilà. Bah let's go hein. Attendez juste. Je confirme le jeu. Voilà. Du coup, attendez, voilà, ça se fiche, c'est bon. Ok, on ferme Epic Game. Donc il faut que vous alliez sur Google. Google Chrome, sinon ça va pas être possible. Tu mets autoclic, autoclic, voilà, autoclic. Après, je sais pas si c'est lui, je vais voir. Non, c'est pas lui. Vous cherchez. Hein. Il y a plein de sortes d'autoclics, c'est vraiment. On a des millions. Moi, le mien, c'est un RPG autocliqueur. Autoclic RPG. Voilà, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Vous le téléchargez. Après, vous faites accepter, lancer, gna. Après, ça va vous ouvrir un truc comme ça. Donc, au tout début, je crois qu'il vous met comme commande. Je crois qu'il vous met F1 et F2. Je pense que c'est ça. Enfin, je crois que c'est ça. Et là, je crois qu'il y a 100 ici. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez modifier ça. Vous allez appuyer sur 1. Après, voilà, c'est bien. Vous mettez double clic et left. Comme ça, là, c'est le clic gauche. Donc, ça compte comme clic gauche. Ça compte comme double clic chaque milliseconde. Donc, c'est très, très, très rapide. C'est vraiment un truc de fou. Après, vous start. Et là, vous allez dans options, hot case. Après, normalement, il y aura ça. Là, pour démarrer l'autoclic, moi, perso, je mets numpad 4. Et pour le terminer, numpad 2. Après, vous faites la petite croix et normalement, c'est bien. Et là, vous avez enfin terminé votre petite manœuvre. Après, à vous de vous habituer, de faire vos techniques de build, vos techniques d'édit. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais sinon, les gars, c'était Voxel. Je vous dis ciao, à la prochaine. Kiss tout le monde.